Amis des couteaux, bonjour! Aujourd'hui, une petite vidéo de vacances où je ressors un petit peu tous mes jouets et là, j'ai retrouvé mon arme de lancer produite pour concurrencer le scalpel de l'abeille. Donc, il s'agit de la seringue. Voilà, une arme de lancer vraiment économique vu qu'il s'agit d'un clou. C'est parti pour une séance de vaccination. Ouais, l'abeille, la concurrence arrive, mec. La seringue. Bon, plus sérieusement, une arme super économique. J'avais acheté les 5 kilos, je crois, pour 20 balles. J'ai limé la tête et mis du grip de tennis. Certes, le design n'est pas top. Ça ressemble un petit peu plus à une arme de tôlard qu'à une arme de lancer. Mais c'est très sympa. Et à la base, je les avais fait, c'était pour m'entraîner sur une cible de tir à l'arc. En mousse, c'est silencieux. Ça permet de s'entraîner des heures sans casser les pieds à personne. Sinon, c'est super dangereux ce truc-là. Ça vole partout. Ceux-là, je crois qu'ils font 90 grammes. C'est super dangereux. Alors bien évidemment que je ne recommande pas ce type d'arme de lancer. Au moins que vous commenciez déjà à bien maîtriser le lancer. Très dangereux. Ah, il faut une zone de sécurité d'au moins 10 mètres partout. Des sacs de sable, etc. Ça vole partout. Je vous l'ai dit, c'est super dangereux.